Alors, Boulot, on est ici à Paris pour le premier trophée Ballon d'Or foot féminin. Comment c'est important pour le foot français ? La première fois qu'il y a les femmes, c'est une super évolution. Comme beaucoup, on a connu de belles avancées. De voir les femmes arriver, c'est juste magnifique. Et je pense aussi que ça devient maintenant normal. Et d'avoir la première joueuse récompensée ce soir, c'est une grande fierté et une grande réussite pour le foot féminin. Vous n'avez pas de regret que vous ne jouez plus ? Non, aucun regret. Aucun regret. Aujourd'hui, je suis heureuse et épanouie dans ma nouvelle vie. Et j'adore aussi, je suis la première supportrice du football féminin et si je peux le défendre encore aujourd'hui, je le ferai. Et votre rôle à PSG, comment ça se passe tout ça ? Ça se passe très bien. Donc moi, je suis coordinatrice sportive. J'ai un peu le même rôle que Maxwell chez les garçons, moi c'est chez les filles. J'ai vite pris mes marques et je suis contente parce que je suis pas trop loin des filles. Je peux encore être sur les terrains, voyager avec l'équipe, donc j'ai beaucoup d'avantages et en même temps je vois comment est structuré un club, comment fonctionne un club, donc j'apprends tous les jours et je suis très heureuse. Oui, la Ligue des champions féminines, ça c'est toujours un objectif pour le PSG féminin ? Bien sûr, c'est un objectif et on est là pour la gagner. Ok, merci, bonne soirée. C'est clair comme réponse, merci.